bien Ninanar quand elle s'énerve. Salut, c'est Ninanar en direct d'Oligarland. Je suis allée me planquer dans la nature pour pas que mes voisins m'entendent, pour pas qu'ils me prennent pour une tarée. Vous savez pourquoi je suis énervée là? Je suis énervée à cause de tous ces connards qui ont voté pour ces connards. Mais Manu Macron, mais je te fous de l'arrêt en fait. Tu vois tes propositions de merde là, de foutre des cotisations chômage pour les travailleurs indépendants, alors RSI ou pas, on s'en fout. Des cotisations chômage pour les travailleurs indépendants, c'est quoi le message? C'est ah bah génial, moi aussi je vais monter ma boîte, ça va être cool, de toute façon il y a le chômage. Donc si ça marche pas, bah je m'arrêterai au bout de 6 semaines. Voilà, donc comme ça tous les glandus là qui n'ont pas la niaque parce que c'est très dur de faire marcher ton entreprise, tous ceux-là ils vont croire qu'ils vont pouvoir le faire. Et puis alors nous on cotise déjà 46%, donc pour être assuré au chômage, il va falloir payer combien? 60%? 60% encore à vous donner, espèce de raclure de putain de gouvernement de merde. 60%, et alors c'est quoi le message? Oh bah maintenant je cotise au chômage, donc je m'en fous en fait, je vais couler ma boîte, puis je vais prendre mon chômage. Mais en fait on l'aura pas vraiment. Combien de temps il aura fallu cotiser 60% pour avoir droit au chômage? Combien de temps? C'est vraiment de... Et il y a, quand je pense, tous ces connards, ils sont pas si nombreux que ça qui ont voté pour toi. Et j'ai des potes là-dedans, mais j'ai même plus envie de voir leur tronche, tellement je trouve ça hallucinant de marcher dans la combine d'un truc pareil, qui se disent, ah, c'est super, bah oui, l'assurance chômage pour les indépendants, c'est super, mais bande de débiles, c'est pas super, c'est juste un moyen de nous racketter encore plus. Putain, là, vous, hein, là, je sens bien le buzz, je le sens bien là, j'ai bien les boules, ça m'énerve, en fait. Je te jure, ça donne envie d'aller monter une entreprise en Andorre, en Suisse. Tous ces gros connards, là, ils s'en foutent plein à gauche, ils cotisent à rien du tout, ils payent jamais d'impôts nulle part, et ils te raquettent. Alors moi, je suis vraiment dans la mauvaise couche. Tu vois, il y a les assistés de base, là, qui prennent le RSA, qui touchent des allocs dans tous les sens, qui foutent rien, qui sont déresponsabilisés de tout, qui sont en burn-out, qui sont en arrêt de travail 15 jours, 23, 3 semaines, 10 jours. Bon, bref! Tous les ans, et puis il y a tous ces raclures d'en haut là, ceux-là c'est pareil, ceux-là ils nous sucent jusqu'à l'os, et nous au milieu on est comme des cons. Alors nous on tacle la taxe d'habitation, la taxe foncière, les cotisations sociales, les impôts. Alors moi pour l'instant j'en paye pas beaucoup les impôts.